Bonjour à toutes et à toutes, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo en fait sur la question qu'est-ce que la santé holistique? La plupart du temps, les gens me posent la question, ne comprennent pas ce que c'est, donc c'est aujourd'hui que je vais l'aborder avec vous. Mais avant toute chose, je me présente, je suis Danielle Chiron, praticienne de santé naturelle et j'aide plus particulièrement les femmes à rester en santé le plus naturellement possible, ainsi que les messieurs, ou bien à retrouver leur état de santé le plus naturellement possible. Et donc, ma particularité fait que je travaille sur le plan global, le plan holistique, c'est-à-dire les trois plans, physique, psychique et émotionnel. Alors, ça vient de la racine grecque qui veut dire holos, qui veut dire le tout. Et donc, il est important de traiter notre corps dans la globalité. Alors, pourquoi ? Notre corps, il est constitué en fait d'un cœur, de notre tête, notre cerveau pensant, et puis de notre squelette, notre carcasse, dans laquelle contient tous nos organes et tous les systèmes qui l'animent. Le système nerveux, le système respiratoire, le système circulatoire, le système urinaire, le système digestif, le système endocrinien, le système locomoteur, le système lymphatique, etc., etc. Et tout ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre. Oui, on peut vivre en ayant quelques organes en moins, les organes qui sont, certains organes qui ne sont pas vitaux peut-être, mais on ne peut pas vivre, mais nos membres bougent grâce à notre système nerveux, grâce à notre système circulatoire, la fatigue, le sang, enfin tout ce qui circule dans le corps, tous les liquides du corps. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors par contre, quand on a une douleur, quand on n'est pas bien, c'est déjà important de se soigner sur le plan physique. Là-dessus, on est bien d'accord. Soit par un médicament, si on ne peut pas faire autrement, soit par quelque chose de plus naturel, un élément plus naturel. Ça, c'est d'accord. C'est la première chose à faire. Mais après, c'est important aussi d'aller chercher la cause pour enfin en finir et que ça ne revienne plus. Donc, pour aller chercher la cause, eh bien, on va aller travailler sur le plan psychique, mais aussi pour savoir, essayer et s'améliorer, savoir ce que l'on est, travailler sur nos attitudes, comment on pense. Et ensuite, on va aller travailler sur nos émotions qui nous envahissent, les émotions qui peuvent être positives ou négatives, qui sont là pour nous faire avancer, mais pour les, disons, les rendre moins nocives dans notre corps. Aujourd'hui, il y a 95% des maladies qui sont dues au stress. Ce sont les médecins qui le disent, le docteur Joe Dispenza notamment. Donc, cela veut dire qu'on est très fort aujourd'hui pour se créer nos propres maladies, les maladies les plus courantes. Et 5% restants restent pour vraiment des grosses pathologies d'origine génétique, des causes dont on ne connaît pas encore. Mais alors, moi, je pense que si nous sommes capables de nous créer nos maladies, nous sommes aussi capables de retrouver la santé, tout simplement. Mais il y a un travail, il y a un certain travail à faire, et seul, ce n'est pas toujours simple. On a besoin de se faire suivre, de se faire accompagner. Et aujourd'hui, les médecins, les cancérologues avouent que la plupart des cancers, 50% des causes des cancers sont dues à nos émotions, les émotions qui nous envahissent, nos émotions négatives. Donc, un travail là-dessus est important aussi. Voilà, donc moi, c'est la particularité, ma particularité qui m'anime, c'est de travailler sur ce plan global, physique, psychique, émotionnel. Et puis, mes deux thèmes de prédilection sont donc la gestion du stress qui englobe toutes les pathologies courantes, toutes les maladies courantes, et toute la problématique féminine de l'adolescence qui accompagne la femme de l'adolescence à la ménopause. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que les femmes ne sont très mal entourées, je pense, à ce niveau-là, et souvent sont très mal accompagnées parce que mal comprises et surtout pas au courant de ce qui peut être fait aujourd'hui d'une autre façon. Mais tout ça, c'est toujours sur un plan global.
Alors, vous vous dites très bien que bah, tout ça ne se fait pas en 5 minutes, ça demande quand même un peu de temps, cet accompagnement, mais ça en vaut la peine parce que au bout du compte, bah, mes clientes ont vraiment des résultats et elles ont appris quelque chose qu'elles peuvent continuer de travailler tout au long de leur vie et revenir me voir ponctuellement. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous traiter en une seule séance. Ça, ce n'est pas possible. Il y a vraiment besoin de se prendre un engagement avec soi-même et de se dire, là, je me pose et je fais vraiment quelque chose pour moi, pour ma santé, pour enfin arriver à me sentir bien. Donc, la santé holistique, voilà ce que c'est. C'est vraiment les trois plans qui, pour moi, sont indissociables aujourd'hui. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à mettre un petit pouce. À mettre un petit commentaire, à de la partager aussi à vos amis pour peut-être qui en auraient besoin. Vous pouvez aller sur mon site www.danielchiron.com et vous inscrire aussi à mon cadeau gratuit où vous aurez déjà des clés pour commencer à mieux gérer votre stress dans un premier temps. Voilà, ma chaîne YouTube, voilà aussi, et vous abonner à ma chaîne YouTube et puis sur Facebook, me retrouver. Voilà. En tous les cas, que la santé vous accompagne toujours dans la joie et l'abondance de tout. Et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Bye bye!